ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur Jésus, nous voulons ton amour ce matin. Oh, ton amour, Seigneur, ta puissance, oh Jésus, ta présence dans ma vie. Oh Seigneur, nous voulons ton amour, Seigneur, ta puissance. Oh, encore une fois, une dernière fois. Oh Seigneur, nous voulons ton amour, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Ton amour, ta puissance. Et je veux l'adorer. Et je veux t'adorer. Oh, oh. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon âme. De tout mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. De toute ma force. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Encore une fois. Adorons-le ce matin, adorons-le, glorifions-le. Oh, et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toutes mes forces. Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. The Sermon Token by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, September 1st, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Le signe » a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin 1er septembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Selon laquelle Dieu, après ces jours-là, j'écrirai mes lois sur les tables de chair de leur cœur. Voyez-vous? Voyez-vous? Non sur les tables de pierre et avec du sang d'un agneau. Ce qui vous faisait dire, bon, j'ai apporté le sang ici, maintenant, qu'est-ce que ça dit ensuite? Mais sur les tables de votre cœur, voyez-vous, c'est ici l'alliance de l'Esprit que je ferai avec le peuple. And this place is power. John 14:12 says, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Et cela manifeste sa puissance. Dans Jean 14:12, il est dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Nouveau Testament signifie « Nouvelle alliance, nouvelle vie. » Jesus has met every requirement for us that God requires.
ce qui montre que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que Dieu avait posées. To make us back truly sons and daughters of God under the blood, for there is no more condemnation. Afin de nous ramener, de faire de nous véritablement des fils et des filles de Dieu sous le sang, là où il n'y a plus aucune condamnation. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in. Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en. Not those who are believing it. Those who are in Christ Jesus that walk not after the flesh but after the Spirit. And my word is Spirit. Non pas ceux qui y croient, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ma parole est Esprit et vie. Voyez-vous, oh, comme je pourrais tirer un texte de là et rester encore 2 ou 3 heures de plus. Mais nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. No more condemnation, free from sin, free from the cares of the world. No condemnation. Plus aucune condamnation, libéré du péché, libéré des soucis de ce monde. Aucune condamne. Why, to them that have been by one spirit baptized into one body. Comment cela? Pour ceux qui ont été baptisés d'un seul esprit, pour former un seul corps. There the blood of the Lamb has been applied, the God of heaven has accepted you, and your his life is in you and your sons and daughters of God. Là, le sang de l'agneau a été appliqué. Le Dieu du ciel vous a accepté, et votre, sa vie est en vous, et vous êtes fils et filles de Dieu. Your character is God's character. Votre caractère est le caractère de Dieu. What is it? A little pushover? No, sir. Qu'est-ce à dire? Que vous êtes un instable? Quelqu'un qui accepte n'importe quoi? Non, monsieur. God's a God of judgment. He's a God of correct. It must be on the line. Nothing else will do. Dieu est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de correction. Il faut marcher droit. Rien de moins. That's the kind of character you are because you're the character of your father. Amen. Et c'est ce genre de personne-là que vous êtes, parce que vous avez le caractère de votre père. Voyez-vous? What? The life. What was? The life is took for the blood. See, the life itself is took. See, the life it took for the blood. La vie, regardez bien, la vie est enlevée pour obtenir le sang. Voyez-vous? La vie elle-même est enlevée. Voyez-vous, il fallait prendre la vie pour avoir le sang. See, the blood was applied and the life could not come on the believer then for the life of an animal, not the life. Voyez-vous, le sang était appliqué et la vie ne pouvait pas revenir sur le croyant à ce moment-là, car c'était la vie d'un animal, non pas la vie. But see, instead of a human being, it was a super, super, super human being. Yeah. Mais voyez-vous, au lieu d'un être humain, c'était un super, super, super être humain. Voyez-vous? And that makes the human being now not only a human being, but he's a son and daughter of God. Et cela fait de l'être humain maintenant, non pas simplement un être humain, mais il est maintenant un fils, une fille de Dieu. By the super, 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 super life that was in him comes back upon you. De cette super, 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 super vie qui se trouvait en lui et qui revient sur vous. Et cela vous transforme d'un pécheur dans les choses du monde, d'un membre d'église, un membre de dénomination, to a born again Christian, filled with the Spirit, the life of God is flowing from you like sparks from an anvil. En un chrétien né de nouveau, rempli de l'Esprit. Et la vie de Dieu est là, qui jaillit de vous comme les étincelles d'une enclume. As you walk full of virtue and love and gentleness and the Holy Spirit moving, speaking, oh my, there you are. Tandis que vous marchez, rempli de vertu et d'amour et de douceur, tandis que le Saint-Esprit agit, parle, oh là là, voilà. And with the what?
hearing the message, watching the pillar of fire, and the blessed assurance of passing death into life. No, therefore, no condemnation at all. Et avec quoi? En écoutant le message, en gardant les yeux sur la colonne de feu, et avec l'assurance bénie, je suis passé de la mort à la vie. Donc maintenant, aucune condamnation du tout. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, nous le savons. Mais s'il y a du péché dans notre cœur, alors cela nous condamne. Aussi nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du tout. Voyez-vous? Vous devez vous libérer du péché. Et la seule façon de vous libérer du péché, c'est d'entrer en lui. Il n'y a rien d'autre qui puisse couvrir le péché, seulement Christ. Remember, the covenant blood. The covenant blood is not recognized without the token. Rappelez-vous, le sang de l'alliance n'est pas reconnu sans le signe. You cannot, you will not, you say, well, I've been sanctified from things, that's not the token. Vous ne le pouvez pas, vous n'y arriverez pas. Vous dites, mais j'ai été sanctifié, je ne fais plus certaines choses. Ça, ce n'est pas le signe. C'est l'Esprit qui est le signe. L'Esprit de Christ sur vous. Croyez-le. Maintenant, regardez. La parole nous garantit la promesse. Tous ces points que j'ai notés ici pourraient servir de texte. Je pourrais simplement continuer ainsi à prêcher toute la journée, semble-t-il, là-dessus. Voyez-vous? The word assures us of the promise because it is the promise. La parole nous garantit la promesse, parce qu'elle est la promesse. La parole est la promesse, et la parole est Dieu, et la parole est à nous. And we become the word, and the word becomes us. Et nous devenons la parole, et la parole devient nous. Et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, voyez-vous, tout cela devient simplement une grande famille. Voyez-vous? Elle nous donne l'assurance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est une partie de nous. Voyez-vous? 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 Elle devient une partie de nous. What a text. All right. Assures us a promise. Quel sujet. Très bien. Donc, nous garantit la promesse. The token is a sign that the purchase has been made. And been accepted. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. Now, you can't get the token from the railroad fare until you pay the price. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire. L'accepter. Full obedience to the whole word of God will entitle you to the token. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance, non pas en partie, ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier. L'entière obéissance à la parole, qui est Christ, vous fait entrer en Christ. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui pendent au dehors? Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors. Voyez-vous? Voyez-vous?
Le cœur est encore dans le monde, voyez-vous, mais nous n'agissons pas ainsi. L'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole n'êtes qu'un. Vous la croyez toute, chaque mot, et elle est toute en vous, et vous la regardez agir à travers vous. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment, voyez-vous, vous êtes un chrétien. No matter what anybody says, they'll never touch you. You're in Christ. You're safe as you can be. Peu importe ce qu'on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ. Vous êtes en parfaite sécurité. When death knocks at the door, it has no hope. Not at all. Why? Just stepping out of here into there. Quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous, aucun. Pourquoi? Elle vous fait simplement passer d'ici à là. Age means not a thing. You've done passed from age. You're in eternity. Oh, you're in Him. He's eternal. L'âge n'a aucune importance. Vous êtes affranchi de l'âge. Vous êtes dans l'éternité parce que vous êtes en Lui. Il est éternel. Don't mean a thing. Whether you're young, old, middle age, or whatever you are. Que vous soyez jeune, vieux, d'âge moyen, peu importe, cela n'a aucune importance. Pretty ugly, short, fat, but don't mean a thing. Doesn't it? Que vous soyez beau, laid, court, gros, et quoi encore. Cela n'a aucune importance. Aucune. Vous ne passez pas votre temps à cela et à toutes ces autres choses. Vous avez dépassé cela. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Vous êtes scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous marchez en Christ. Le seul objet que vous voyez est Christ. C'est tout. C'est tout. Et vous marchez. Oh là là. Pas étonnant que nous ayons l'habitude de chanter ce petit cantique. Remplis mon chemin d'amour chaque jour, comme je chemine avec la céleste colombe. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my... Laisse-moi toujours marcher, chantant et souriant, rempli. Let me be a brother. Let me live the example of what Christ said a man should be. Que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. Let me be a brother to a brother, a brother to a sister. Que je sois un frère pour un frère pour une sœur. Let me be a minister to the ministers. Let me be an example of example. Que je sois un ministre de l'Évangile pour les ministres de l'Évangile. Que je sois l'exemple des exemples. Let me show to the world that this word is Christ. Que je montre à ce monde que cette parole est Christ. The only way I can do it is come into Him because I can't do it myself. You can't do it, but let the word in you become one and it lives itself out. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en Lui. Parce que je ne peux pas le faire moi-même, vous non plus, mais laissez la parole et vous devenir un. Alors c'est elle qui vit à travers vous. You are a walking epistle of Jesus Christ, when He's got complete control of you to make every word. Vous êtes alors une épître ambulante de Jésus-Christ. Quand celui-ci exerce pleine autorité sur vous, pour faire que chaque parole... If it comes this way, I won't do this. And you say, no, I don't believe that. See, you're not in the Word yet. S'il vient par ici disant, je veux faire ceci, et que vous disiez, non, je ne crois pas cela. Voyez-vous, vous n'êtes pas encore dans la parole. Voyez-vous? Oh, now what? Fully obedience to the whole Word of God entitles us to the token. L'entière, maintenant regardez bien, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Then, when we pray, we must have the token to present with our prayer. Et puis, lorsque nous payons, prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec notre prière. If you say, I pray, Lord, but really I haven't, well, might as well stop. Si vous dites, je prie, Seigneur, mais en fait, je n'ai pas... Eh bien,
Vous feriez aussi bien d'arrêter là. Voyez-vous, allez premièrement chercher le signe, voyez-vous, parce que ce signe est ce qu'il reconnaîtra. Voyez-vous? Oui, monsieur. When we pray, then we must present the token. Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le signe. Lord, I have obeyed you fully. I've repented of my sin. I feel that you have forgiven me. Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que tu m'as pardonné. I've been baptized into the name of Jesus Christ. The Holy Spirit is upon me. J'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur moi. Now, I have need of certain things for your glory. Lord, I ask for it. It's mine. Maintenant, j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Seigneur, je la demande. Elle m'appartient à présent. Amen. Something anchors back. Alors, quelque chose s'ancre ici. C'est à vous. Then it's all over. All over settled. C'est classé. C'est terminé à ce moment-là. C'est terminé. C'est réglé. I ask for this. I ask for it. I must have it. See? Je demande ceci. Je le demande. Je dois l'avoir. Voyez-vous? Voyez-vous? I want it for your glory. See? Then he just gives it to you. Then you know it's yours. Je veux cela pour ta gloire. Voyez-vous? Alors il vous le donne simplement. Alors vous savez que c'est à vous. That's what it is our children and so forth. We apply the blood. Believe it. That's all. C'est la même chose pour nos enfants et ainsi de suite. Nous appliquons le sang. Nous le croyons. C'est tout. All right. What does it do then? When you have can present the token with your prayer, it shows that you have fully come to obedience to the whole word of God. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le signe avec votre prière, cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Quand vous possédez le signe, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Alors vous et la parole êtes un. Et ainsi, vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Voyez-vous? Voyez-vous? Then, well, you know, if I say to this hand, you obey me. Reach out for that handkerchief, it doesn't. À ce moment-là, bien sûr, vous êtes convaincu. Si je dis à ceci, toi, la main, obéis-moi. Va chercher ce mouchoir. Elle le fait. See? Hand obeyed me. Why? Pardon me. Voyez-vous? La main m'a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Voyez-vous? Then when you and the word becomes one, every promise. Ainsi, lorsque vous et la parole devenez un, chaque promesse, gloire à Dieu, chaque promesse vous appartient, elle vous obéit. C'est alors qu'il vous faut faire bien attention à ce que vous allez faire. Vous n'iriez pas mettre votre main dans le feu juste pour dire « Regardez-moi faire cela !» Oh non, non, voyez-vous. Mais si dans ce feu, il y a quelque chose que je dois aller chercher, elle m'obéira. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est exact. You want to watch what you're doing. Voyez-vous? Vous voulez faire bien attention à ce que vous faites. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous ne voulez pas, un vrai serviteur de Dieu ne s'en sert pas pour épater, vous voyez. Ça, c'est se donner en spectacle. Lorsque nous prions, nous présentons le signe. Cela montre que nous avons pleinement obéi. Paul nous dit que le sang parle. Or, tout le monde sait que le sang en soi ne peut pas parler. Ce sont des composants chimiques, est-ce juste?
Combien savent cela? Mais combien savent que le sang parle? Si vous désirez le noter, c'est dans Genèse 4, 10. God said, what about your brother? Said his blood cries from the earth against you. Dieu a dit, qu'en est-il de ton frère? Son sang crie de la terre contre toi. Amen. Est-ce juste? His blood is speaking. Amen. Alléluia. Son sang parle. Alléluia. Dieu a dit, qu'en est-il de lui? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? His blood's crying out. Il a dit, son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. It's a token. It's a token that he's been killed. His blood was crying out against him. C'est un signe. C'est un signe qu'il avait été tué. Son sang criait contre lui. Get that Genesis 4:10. Then in Hebrews 12:24, start reading. Si vous avez trouvé cela dans Genèse 4:10, allez maintenant à Hébreux 12:24 et commencez à lire. In Hebrews 10:12-4 says the blood of Jesus speaks better things than that. Amen. Dans Hébreux 10:12-4, il est dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. See, Abel, he was a righteous man. He died innocent because he was in the way. Vous voyez, Abel était un homme juste. Il est mort. Il est mort innocent parce qu'il était sur le chemin. He was in the way, standing for the real revelation he had. Il était sur le chemin, fidèle à la vraie révélation qu'il possédait. He spoke his cry out, the justice blood of Abel, cried out against Cain. Il a parlé, il a crié, le juste sang d'Abel a crié contre Cain. But the blood of Jesus Christ only cried out, it redeemed. Amen. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement crié, il a racheté. Amen. It makes you sons and daughters. It hides you from the wrath of God. Il parle mieux. Il fait de vous des fils et des filles. Il vous met à l'abri de la colère de Dieu. See, the blood of Abel could not hide Cain. See, but the blood of Jesus can. Amen. Voyez-vous, le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Cain, voyez-vous, mais le sang de Jésus le peut. Amen. Ainsi, si tu es un Cain, tu peux venir aujourd'hui, si tu as persécuté la parole. Disons, les jours des miracles sont passés, cette histoire-là, ce n'est que sottise, et ainsi de suite. Il est en train de crier, vous voyez, le sang de Jésus-Christ crie, mais il contient le pardon, si seulement vous voulez l'accepter. Je souhaiterais que nous puissions nous attarder là-dessus un petit moment, vous voyez, le sang parle mieux. Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez, voyez-vous, croyez. Here's what you want to believe for. Voici à quoi vous devriez croire. See, you want your own safety, you believe for your safety, and then apply the token for the whole family. See? Voyez-vous, vous voulez votre propre sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité. Et ensuite, vous appliquez le signe à toute la famille. Voyez-vous? You say, how can I do that? Claim it. If it worked on you, then you and the Word becomes one. Amen. Amen. That's right. Amen. See? Vous dites, comment puis-je faire cela? Réclamez-le. Si cela a fonctionné pour vous, alors vous et la parole devenez un. Amen. Amen. Voyez-vous? See? It works for both of them. You and the Word are one. Then apply it to your children. Apply it to your life. Amen. Voyez-vous, il agira pour l'un comme pour l'autre. Vous et la parole êtes un. Alors, appliquez-le à vos enfants. Appliquez-le à vos bien-aimés. Like Rahab did. She applied the token to her father. She applied it to her mother. She applied it to her brothers and sisters and got them all in. C'est ce que Rahab a fait.
Elle appliqua le signe à son père. Elle l'appliqua à sa mère. Elle l'appliqua à ses frères et sœurs. Elle les fait tous entrer. You know, I said, Lord, I'm going after my son. I'm going after my daughter. I claim her, Satan, you turn her loose. I'm coming after her. I apply my token. The Holy Spirit. Appliquez-le. Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame. Satan, laisse-la aller. Je viens la chercher. J'applique mon signe, le Saint-Esprit. Oh, Holy Spirit that lives within me. Catch my daughter there. Amen. I'm going to her now with your anointing upon me. You'll do it. Amen. Oh, Saint-Esprit qui habite en moi, empare-toi de ma fille là-bas. Je vais vers elle maintenant avec ton onction sur moi. Il le fera. Amen. That's what they did in Egypt. That's what they did in Jericho. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait à Jéricho. Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16:31. Paul told the centurion, believe. I'm the message of the hour. Be on the Lord Jesus Christ. And our house shall be saved. Amen. That right? Paul dit au centenier, crois. Je suis le messager de l'heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta maison serez sauvés. Est-ce juste? Croyez pour votre maison. Amenez-les tous dessous. Maintenant, tu as vu le Dieu du ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. You believe it? Yes. What can I do? Le crois-tu? Oui. Que puis-je faire? He said, rise and be baptized. Paul took him out and baptized. He said, now believe on the Lord Jesus Christ and thine house shall be saved. Il dit, lève-toi et sois baptisé. Paul l'amena à l'extérieur et le baptisa. Il lui dit, maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta maison serez sauvés. Believe what? Believe the Lord Jesus Christ for your house. Apply the token to your house. Croyez quoi? Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Then what do you do when you apply it to your house? Alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Move all the trash out. Amen. Vous vous débarrassez de toutes les ordures. You know, the short skirts and the shorts and the cards and the cigarettes and televisions and whatever more to kick them out the door. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision et quoi encore. Et vous jetez tout cela dehors. Quand vous décidez d'appliquer le signe, il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur, sortez tout ça. All the dances and parties and rock and roll and old vulgar newspapers and stuff that's of the world, kick it out the door. They were cleaning up this place around here. Toutes les soirées dansantes et les fêtes et le rock and roll et ces vieux journaux vulgaires et toutes ces choses qui sont de ce monde, mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. Like Jacob did. He said, told his wife and all them, said, wash your clothes and everything, put away them gods. Amen. C'est ce qu'a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui, lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous. Amen. You know what Joshua said before crossing over? Je, savez-vous ce que Josué a dit?